Salut tout le monde! C'est KawasLan 3.0 pour une toute nouvelle vidéo. On va faire un nouvel épisode, mais cette fois-ci avec un jeu différent, qui est par exemple le Super Smash Bros. Ultimate. Voici donc l'épisode 1. Avant de commencer, on fait une dédicace. Dédicace au joueur buveur Greg, Vince le survivant, Crap, DL Gaming, Méthode 2021, Alex Gaming, Dark Magica, Disco Every Channel, Lina Sony Roblox, Indie Jeux, Super Moi 01, le mystère officiel, Chris et Pat des addicts du vide grenier. Et si toi aussi tu veux une dédicace, n'hésitez pas à venir en espace des commentaires si vous en voulez une. Pour vos familles, pour vos amis, pour vos collègues de travail, pour un anniversaire, ou même vos animaux de compagnie, ou pas. Je vous dis top générique, à tout de suite après les images du jour. Nous voici après l'intro, on va mettre le jeu directement dans la console. C'est parti! N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si vous voulez des let's play sur les jeux PS4 ou Switch. Voilà. Comme ça, il n'y a plus de soucis pour ça. C'est parti. Wow. Ouais. Nom de Zeus. Allez, on va faire le mode aventure. Et avant, allons voir les notifications d'abord. Il y a tellement de choses à voir. Allez, on y va. La lueur du monde. On va se mettre en mode normal. Comme je ne suis pas un expert de Super Smash Bros. Et donc on va devoir se débrouiller en mode normal. Ce n'est pas traduit en français, à part que c'est sous-titré français au cas où. Oula. 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 C'est pas croyable tout ça. Oh. Voilà. Il n'y a que Kirby qui est épargné. Voilà tout l'univers qu'il y a. Oh là là. On va devoir sauver le monde, alors. Oh.
Ouais, c'est Kirby à survivre. Super Smash Bros. Ultimate, la lueur du monde. Oh, Mario. Qu'est-ce qu'ils font? Peut-être qu'ils essayent de rendre Mario méchant. Et pourtant, c'est un héros, Mario. Ah, c'est un double magnifique de Mario. Ça, c'est méchant, ça. On va devoir sauver le monde. Il n'a pas le temps à perdre. Ouais, ça ne fait que commencer, oui. Allons-y. Les esprits sont des êtres dont le corps a été volé par Killière, le maître de la lumière. Ils sont désormais sous son contrôle, leur conscience piégée dans des copies de combattants. Lorsque vous battez la copie d'un combattant, vous secourez par la même occasion l'esprit qui a été emprisonné. Prisonnier, pardon. Essayez de secourir un maximum d'esprits. Les esprits primaires influent sur l'attaque et la défense pour renforcer le combattant sur ce qu'il faut miser. Allons-y, à l'attaque. Désolé si je répète toujours les mêmes attaques. Et voilà, gagné. On a libéré Molosco, fumant. Voilà une bonne victoire. Les esprits que vous sauvez se joignent à vous. Chaque esprit est différent et peut vous aider à sa façon. Si un esprit primaire dispose d'une case libre, vous pouvez lui associer un esprit de soutien. Les esprits de soutien disposent de talents spéciaux, n'hésitez pas à leur expérimenter. Ouais. Ça c'est vrai. Evoli. Allons-y, à l'attaque. Contre les Yoshi. C'est nouveau ça,
Des Yoshi qui ont des queues de tanuki. Et voilà, débarrasser des Yoshi Tanuki. D'où Jésus, je n'ai jamais entendu un tel blasphème. On va libérer Evoli. C'était du gâteau. Voyons voir, gestion des esprits. C'était pas de temps. On va mettre par rampe. On va faire augmenter le niveau. Voilà pour évoluer aussi. Libéré. On va prendre un voyant. Pikachu ou soit parent. Et voilà. Voilà, c'est bon. Allons-y, contre Rondoudou. Guilla Céleste. Allez, viens Rondoudou. Et voilà. Kirby Rondoudou t'a battu. Allons sauver Mario. Les combattants ont servi à produire des copies d'eux-mêmes. En libérant les combattants originaux, vous en ferez des alliés. Ok, on va secourir Mario. Gagné. Mario a fait son entrée.
Vous pouvez changer de combattant, sélectionner en choisissant formation dans le menu. On va prendre Mario. Je suis plus à l'aise avec Mario. Ah, un Rubik's XL. Voilà, débarrassé de Rob. Gagné. Il y en a débloqué le gardien. Paul Furt est en ligne maintenant. Bon, il y a un combattant à chaque extrémité de l'intersection. Choisissez bien celui que vous voulez sauver en premier. Villageois, Mars ou Sheik. On va prendre Mars en premier. Ok. Attaque. On va devoir le sauver. Voilà, la peau de banane a une raison de lui. Il en a sauvé Mars. Wow! Utilisez des sphères de talent pour débloquer différentes capacités propres à ce mode. Pour cela, commencez par sélectionner le menu. Ah, le talent dans le menu. Désolé. Le créateur a mis un bouclier. On va devoir attaquer le bouclier ou soit on devra terminer le jeu. Attention à Richter. Allez, Zelda, tombe. Au revoir.
Charlotte Olin. Wow. Il y en a beaucoup d'infos croustillantes à souhait. Voyons voir ce que nous avons là. Non. On va essayer de battre Ryu. À pas confondre avec Ryu Gaming de Sensei Belge. Il est trop rapide. Bon, c'est mieux étant, lui, avec Persona 5. Rain est débloqué. Voilà, on va essayer de battre le roi de l'île. On va essayer de faire Evoli. Mon gros. Ah, il m'a eu. On va réessayer, oui. Encore raté. Ouais. Attention.
Au revoir, Dadidou. On a dit, vous voyez, donc Mongo. Ouais, heureusement qu'il y a des tas d'anecdotes sur ça. Un bulldozer, non, on va pas le faire. Et un marisson, avec un air bizarre. Contre une armée de air bizarre. Voilà. Attention. Au revoir, Hermisa. Et voilà, on a débloqué Marisson. Ça a fait presque une demi-heure de vidéo qu'on a fait. Kamikoupa, on va pas le faire. Bonus, je crois bien qu'on va le faire dans le prochain épisode. Arbre de talent, voyons voir. Il nous faut des sphères. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de me suivre. Laissez-moi un big pouce bleu, un petit j'aime, un commentaire. Même de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse tous de loin. Bye bye! Et à bientôt pour de prochains épisodes.